Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le jeu Metro Exodus. Donc aujourd'hui je vais vous parler de l'établi. L'établi c'est comme ça, et hop, voilà, avec le dessin des écrous et tout cas boisson comme ça là. Alors pour ce faire, sur la carte, quand vous allez sur la carte, les établis c'est les petites maisons vertes. Une fois que vous l'avez trouvé, dès que vous êtes passé à côté, il y a une petite maison verte qui se met pour vous montrer où sont. Alors l'établi, sur l'établi vous pouvez, une fois que vous êtes dessus, ça sort votre sac et vous pouvez fabriquer, alors au début, vous pouvez fabriquer les trousses de soins, les filtres de masque à gaz, les munitions pour vos armes. Là c'est les munitions pour l'arme comprimée, l'air comprimé. Là c'est le couteau, leurre, une grenade à main et cocktail Molotov. Là, vous pouvez équiper vos armes, mettre des accessoires en plus sur vos armes, habilité, canon de tir ou canon standard compensateur, plus de dégâts, je vais mettre plus de dégâts, ouais. Et des lunettes, chargeur, ah, plus grand chargeur, nickel. Voilà. Après, vous pouvez faire le nettoyage aussi. Parce que vous voyez, si je nettoie pas l'arme, ça fait descendre la précision et la cadence de tir. Donc l'arme est moins puissante. Donc il faut nettoyer l'arme. Voilà. Vous pouvez équiper pareil, changer d'accessoire d'autres deuxième arme. Et pareil, le troisième arme. Hop, voilà. Vous pouvez équiper comme ça. Après, vous avez la possibilité de nettoyer votre masque à gaz, enfin de le réparer. Et là, de mettre des nouveaux masques à gaz, là, mettre des nouvelles batteries. Donc là, c'est une deuxième batterie que j'ai eue. Si vous voulez la trouver, la deuxième batterie, vous allez sur ma page YouTube et vous tapez astuce contrôleur de charge, batterie, pour la trouver. Là, mettre les nouveaux gilets pare-balles. Et là, c'est les boussoles que j'ai trouvé, que j'ai gagné avec la mission. Etc. On va vous monter. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Et bonne journée à vous.